À moi la caïd. La caïd de Bruxelles. Enfin, du quartier. Du porteur, là. Au troquet chez Riquet, hein. Moi, je paye Jean. Mais je dis à Riquet, Riquet, file-moi un gros bain. Et je paye pas parce que... j'ai très fort. Comme ça déborde, tiens, que j'ai. Ben, je crois que Riquet, il en a un peu marre que je consomme toujours gratis comme ça. Alors, il a fait venir un copain, lui. Un certain Jeannot les gros bras. Je connais pas, c'est un boxeur, il l'a fait venir pour que je paye. Alors, hier, je vais au troquet. Je dis à Riquet, Riquet, file-moi un gros bras. Et je paye pas parce que... je suis très fort. Comme ça des balles, tiens, que j'ai. Il y a ce Jeannot les gros bras qui vient derrière moi. Moi aussi, je suis très fort, mec. Il sait pas ce qu'il dit. Il sait pas ce qu'il dit. Il sait pas ce qu'il dit. Il sait ce qu'il dit. Riquet, tu mets deux gondées alors? J'ai bu mon gondée en sa santé. Je l'ai vidé. Lui, il a vidé le sien. Sur ma tête, l'imbécile. Mais j'ai rien senti, hein. Ça m'a laissé froid. Lui, il croyait me faire mousser, peut-être. Je suis sorti parce que je voulais pas me mouiller plus dans cette affaire. Je sors et qu'est-ce que je vois dehors? Ma moto. Mon gros cube. Ma bécane. On l'avait retourné, le guidon et la selle par terre. Une Harley Davidson, 1200cc, 5 vitesses, 2 cylindres en V, 4 fers en l'air. Je dis, mais le connard qui a fait ça, celui-là, mais il va déguster. Hein. Quel est l'imbécile? Tu prends ma bécane pour un sablier. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est... ah bonjour, monsieur Jeannot les gros bras. C'est moi qui l'ai retourné ta bécane, mec. Et après? C'est vous quand même. On est pas mal, hein? Justement, je sors, je vois ça, je dis, c'est sûrement monsieur Jeannot les gros bras qui m'a fait une petite plaisanterie. Il m'a quand même fait une grosse tête, hein, ce con. J'avais une tête comme ça, tiens. Il m'a d'abord donné un uppercut comme ça que je mordais presque dans mes cheveux. Mais j'ai rien senti, hein. Je suis sorti la tête haute. Rien plus haut qu'en entrant, évidemment. Je sors, je vais dans un autre bistrot. Là, je commande un gondet. Que je paye parce que je suis dans mon bon jour. Je vais pour boire la mousse. Il y a un type derrière moi. Dis donc, mec, c'est pas toi qui t'appelles Jojo les Chocottes? Je connais cette voix. Et je connais ce type. Oui, c'est moi, Jojo les Chocottes. Ses yeux ont viré au rouge. Le mien au bleu un peu plus tard. Il m'a complètement démoli le portrait, cet imbécile. Mais je l'ai bien eu, hein. Je l'ai bien eu, hein, parce que Jojo les Chocottes, hein, ça n'est pas moi.